Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cartonnage aujourd'hui, voilà. On va continuer la commode, elle arrive à la fin. Alors je suis désolée, déjà, hier j'ai fait une vidéo, j'ai cartonné hier sur cette commode, j'ai fait une vidéo et je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone, ça n'a pas enregistré. Voilà, je voyais défiler le compteur, mais la vidéo ne s'est pas enregistrée. Du coup, vous verrez pas ce que j'ai fait hier. Je suis vraiment désolée. En plus, c'était le couvercle, que je faisais le montage du couvercle. Donc, je le ferai sur une autre création pour que vous puissiez voir. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. Pas du tout ce qui s'est passé avec mon téléphone. J'avais vraiment les boules. Mais bon. Alors, je vais vous montrer où j'en suis arrivée. Elle a vraiment bien avancé. J'arrive... je n'en suis pas encore à la fin, mais elle a vraiment déjà bien changé. Alors, je vais vous montrer. Je vais baisser un peu... la caméra pour que vous puissiez voir. Alors attendez, voilà. Donc voilà où j'en suis. Là, c'est un tiroir que je dois encore habiller, hein, il n'est pas fait. Celui-là est pas encore tout à fait fini, mais presque, vous voyez. Il me reste les intérieurs, les côtés à finir. Voilà, je suis à l'envers, du coup c'est pas facile pour le remettre. Celui-là, il lui manque sa façade. Bon, là j'ai pas les poignées dessus, donc ça va être difficile pour moi à l'envers de le retirer. Mais il me reste l'intérieur à faire et sa façade. Là, ici, il me reste donc l'intérieur à faire. Hop, voilà. Et celui, alors attendez, à l'envers ça va pas, excusez-moi, voilà, et celui-ci est pour ainsi dire fini, voilà, donc il va rester comme ça, il me reste que à mettre une plaque ici, voilà. Bon, à l'envers ça va vraiment pas, hein. Voilà, donc les petits sont terminés. Voilà, donc les trois petits sont terminés. Et voilà, alors attendez, est-ce que vous allez bien voir? Hop, je remonte pour le couvercle. Voilà, le couvercle est fait. Voilà, donc il me reste l'intérieur. L'intérieur n'est pas fait. Et le dessous du couvercle. Le dessus est molletonné. Alors, je vais essayer de vous montrer le mieux que je peux. Oups, il y a les tiroirs qui se barrent. Voilà, voyez. Le dessus est molletonné. Le dos, du coup, comme le couvercle est fait, il est fait aussi maintenant. Voilà. Donc, je pense que pour le couvercle, je vais voir si je mets un petit ruban pour retenir le couvercle. Voilà. Et après, bon, les petites, je vais mettre sûrement une petite déco sur le devant. Alors, elle est où ma petite déco? C'est toujours le bordel hein, sur ma table. Mais bon, comme je suis en train de... Alors, je vais mettre soit ce... Alors, la petite déco va aller avec le couvercle. Soit ce grand cœur. Voilà. Ou un plus petit. Voilà, vous voyez pas, moi, je vais vous les montrer comme ça, soit ce cœur-là, ou soit celui-là, voilà, je vais voir. Donc là, elle a vraiment bien avancé, et il me restera à faire le dessous, mais là, c'est du liège, donc ça, je le fais vraiment à la fin. Donc voilà, donc les poignées sont mises. Je vous remontre. Les poignées sont mises. Alors, pour les poignées, elles sont vissées.
Mais j'ai quand même dû les coller en plus, par sécurité, parce que sinon, à la longue, d'ouvrir, j'ai peur qu'elle parte. Et donc, j'ai préféré quand même les coller en plus à la colle chaude. Comme ça, par sécurité, au moins, ça ne bougera pas. Donc, ici, sur le couvercle, j'ai mis des coins en métal pour pas que ça s'abîme. Puis voilà. Donc là, exceptionnellement, d'habitude, j'en mets aussi sur les tiroirs, mais là, j'en ai pas mis. J'en ai mis que sur le couvercle. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer le tiroir. Donc on va faire là, les petites vis pour les. Donc j'ai changé les vis. Rappelez, j'avais les vis de mon fils. Donc là, j'ai changé les vis. J'ai mis des vis pointues. Les siennes étaient plutôt rondes. Et donc là, j'ai choisi des vis pointues que je vais mettre ici pour pas les perdre. Voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer. On va habiller celui-là. Faire la façade du dernier. Bon, je vais essayer de le débloquer parce que là, il est parti vraiment dans le fond. Voilà. Donc, vous voyez, celui-là. Celui-là, je vais faire juste, je pense, une moitié. Et celui-là, je ne lui fais rien. Puisque là, c'est un 5. Il va rester comme ça. Voilà. Je suis contente. Ça arrive à la fin. Enfin, à la fin. Presque. Alors, je vais d'abord, je vais vous rebaisser un petit peu. Voilà. Il fait chaud aujourd'hui. On a eu un temps pourri toute la semaine. Alors, je vais remettre de la colle. Je vais reprendre un nouveau litre de colle. Parce que là, j'ai déjà usé ben, 1 litre. Je vais remontrer ce que j'utilise comme colle pour celles qui ne l'ont pas encore vu. Je le montre à chaque fois maintenant. Hein. J'essuie le goulot pour pas que ça colle. Parce que je sais qu'à chaque fois, il y en a toujours au moins une ou deux qui me demandent ce que j'utilise. Donc voilà. C'est la vinylique blanche Cléopâtre. Voilà. C'est la vinylique école. Donc elle me sert pour le carton, pour le tissu. Et quand j'ai besoin de coller des petites pièces, ça peut être pour les boutons, ça peut être pour par exemple pour ça, ici, Bon, vous avez compris, hein, ces trucs-là, je cherche le mot, je ne trouve plus. Ça, je l'ai collé avec ça. Voilà. La colle scotch. Donc celle-là, c'est la transparente. Alors, c'est la transparente glue. Donc c'est la pâte solvant, hein, celle-là. Voilà. Donc elle ne risquera pas d'abîmer le carton sur la longueur, sur le temps. Voilà. Donc, et celle-là, c'est pour faire une grosse partie du cartonnage. Et puis la colle au pistolet également. Donc là, je m'en suis servi pour les petites poignées. Voilà. Je vais remettre de l'eau également dans mon petit pot à eau parce qu'il n'y en a plus. Voilà. De l'eau normale, hein. Ça, on s'en fout. Allez, on attaque. Oups là, je vais tomber mes tissus, ça va pas. Donc j'ai dû recommander du tissu encore. Donc le bleu comme ça, parce que voilà le morceau qui me restait. Et là, bon, maintenant, je pense que j'aurai assez, j'espère.
Allez, j'attaque. Ça va me servir. Je le mets de côté. Un petit sopalin. Elle m'en aura fait voir, hein, cette commode, en tout cas. Ben, c'est surtout qu'en ce moment, je suis extrêmement fatiguée. Pourquoi, je n'en sais rien. Donc, du fait, je n'arrive pas à rester sur mon travail plus de 2 heures. Et c'est vraiment très, très large. Donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à avancer plus vite. Parce que sinon, avant, je pouvais faire 4-5 heures d'affilée sur un cartonnage. Et là, en ce moment, j'ai beaucoup de mal. Donc pourquoi, je ne sais pas. C'est rien, on arrivera au bout. Il y a des moments comme ça. J'ai fait, bon, là pendant presque un mois, j'ai fait une crise aiguë de ma maladie. Donc je pense que c'est ça qui m'a fatiguée. Ça va un peu mieux en ce moment. On va toucher du bois. On va toucher du singe, comme on dit. Alors là, comme vous voyez, le tissu n'est pas assez long pour faire tout le tour d'un coup. Mais c'est rien, je vais remettre un morceau. Ça ne va pas, ça va pas se voir. C'est pas grave, comme c'est un tiroir. Ce serait quelque chose qui se voit sur une seule pièce, là oui, ce serait plus embêtant, mais sur un tiroir, c'est pas grave. Avec ce bout là, ça suffit. Non. Comme c'est sur le fond, on ne le voit pas du tiroir, c'est pas du tout grave.
Donc, la voilà habillée. Enfin, l'extérieur. Hein. Ça, ce sera le dos. Ça, ce sera le devant. Donc là, pour l'instant, on va laisser sécher. Et on va s'occuper de celui-là. Alors, pour celui-là, je vais prendre dans mes chutes. Si je prends du côté des inches, ça va pas. Alors, mon crayon. Ah zut, je vais mettre un millimètre en plus. Ça ira maintenant. Alors maintenant, il faut que je mesure là le milieu. Alors, le milieu. J'adore quand le chiffre n'est pas rond. Oh. Un petit bout pour marquer. Quand il faut faire des calculs d'apothicaire. Alors, ça fait 26. 6, 8, super. Donc là, ça fait 4. Là, ça fait 13, 4. Ça va. Là, on va essayer de prendre avec sa petite équerre. C'est bien ma petite équerre comme ça que j'ai eu, c'est à action ça. Et vous voyez, il y a un petit niveau. Donc maintenant ma colle, je vous l'ai montré tout à l'heure, je l'avais dans les mains, elle est là. Ça va? Désolée, hein, faut attendre que ça colle. Bon, il n'y en a pas pour longtemps normalement. C'est une colle qui sèche normalement assez rapidement.
Alors, j'ai mis déjà ma séparation, voilà, chercher. C'est le mot que je cherchais aussi tout à l'heure. Ma séparation déjà maintenant, avant de mettre mon fond et tout, parce que je vous avais déjà expliqué lors d'une autre vidéo, c'est beaucoup plus simple, ça tient mieux, voilà. Voilà, vous voyez, ça tient déjà. Ça tient beaucoup mieux sur le temps et puis même pour le montage c'est beaucoup mieux pour faire tenir. Alors on va être prudent, on va mettre du papier craft. Alors, on m'a posé la question sur la dernière vidéo cartonnage où j'achetais le craft gommé comme ça. Donc, moi, je l'achète sur le site L'Éclat de Verre. Voilà, c'est un site qui vend tout. Bah c'est là que j'achète aussi mon carton, qui vend tout pour le cartonnage, pour les encadrements. Voilà. Ça et que qui n'est pas très cher. J'ai déjà regardé pas mal de sites pour ça et il est pas mal. Là c'est un, je crois, je sais plus combien de mètres j'ai dans mon rouleau. Je crois que j'ai 200 mètres dans le rouleau. Je dois payer dans les 5-6 euros. Donc vous voyez, c'est pas très cher. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va mettre de l'autre côté, vous voyez, ça, la colle plus ça, ça ne bougera pas. Hein. Plus le tissu qui va venir au-dessus, là au moins, on est sûr que ça ne va pas bouger. On va vraiment que la personne l'arrache pour... Ça bouge pas. Alors, ensuite, le petit bout de tissu qui va bien. Est-ce que celui-là, non, celui-là n'est pas assez long. Hop là. Je prends dans les chutes. Hein. Celui-là n'est pas assez large. Celui-là non plus. Quel dommage que je ne peux pas utiliser les chutes.
j'ai pas d'autres chutes. J'essaye d'économiser le noir aussi parce que je n'ai plus beaucoup de noir. Bon, déjà, où ai-je mis l'enveloppe des tissus que j'ai acheté? Alors, attends. Oh, il manque même pas un centimètre pour faire la longueur de ce gars. C'est bête. Ah, elle est là-bas. Voilà. Je vais profiter pour vous montrer les tissus que j'ai commandés. Donc ça, c'est le bleu pour finir la commode. Et ça, voilà. Donc ça, c'est deux tissus pour moi faire la prochaine création. Deux prochaines créations, c'est pour faire les boîtes à couture, les intérieurs de boîtes à couture. Voilà. Donc un vieux rose et un parme. Voilà. Et là, j'ai pris un jaune qui ne me sert à rien pour l'instant, mais c'est parce que dans cette boutique là où j'achète ces tissus-là, si on achète 5 pièces, on a 20% sur la commande. Donc j'en avais choisi un en plus comme ça, pas au hasard, mais j'en avais pris un en plus pour moi bénéficier des 20%. Donc j'avais pris ce jaune-là, mais il me servira de toute façon, c'est pas perdu. Bon, du coup, je vais devoir prendre dans le bleu, dans le coupon bleu. Mince, ça m'embête. Ça m'embête. Je vais démarrer déjà le bleu comme ça. Ah, oh, zut. Attendez. Ça ne se verra pas. Je vais faire comme ça. On ne verra pas. Donc, maintenant, ça je vais poser là pour l'instant. C'est trop petit. Il me faut mes fonds. Alors, mes fonds. Je vais essayer d'user
éviter les chutes avant de taper la grande plaque. Déjà, il faut les côtés. Voilà pourquoi il faut toujours bien. Pour l'instant, ça j'en ai plus besoin. Je vais vérifier les petites, qu'elles sont à la bonne longueur. J'aurais dû vérifier avant, mais c'est bon. Alors, maintenant. Les chutes, il y en a que je peux faire. Oui, je peux faire les petites. Voilà. Je suis en train de penser que j'aurais dû faire mes fonds avant, mais c'est rien, c'est pas grave, je vais les faire. Alors il me faudrait des grands. Est-ce que là ça va? Non, il va dans ce sens là et pas dans l'autre. Attendez. Alors, je mesurais ma largeur, j'avais dit 13, donc 27. Dans ce sens-là, ça me fait... C'est bon, donc... Je vais couper dans l'autre sens pour économiser du papier. Je vais couper 18. Toujours chercher le sens qui vous fait économiser du papier. C'est mieux. Parce que bon, elles sont pas pour rien, hein, toutes ces plaques. Hein. C'est pas le cas quand même.
Pour faire les fonds, tout ça, les petits, les gainages, vous pouvez utiliser des boîtes de biscottes, des boîtes de... Comment ? Des boîtes de cornflakes, et voilà, tout ça. Et voilà. Donc, maintenant, on va les recouvrir. Alors, je vais les recouvrir comment ? Que je réfléchisse. En noir ou en bleu ? Et en bleu. Tic-tic-tic. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais le faire en bleu, celui-là. Et je vérifie que tout va bien. Oui. Donc, je peux coller le fond. Là, je colle pas les côtés parce que les côtés vont venir chevaucher les côtés de la boîte, enfin du tiroir. Bien de la colle partout sur les côtés. Et on peut mettre son carton. J'en avais un petit. Voilà. Allez, le deuxième.
Donc, maintenant, je vais finir mes côtés, je disais. Je vais prendre le côté là qui se promène. Maintenant, il faut que j'y vais à l'économie sur le tissu parce que sinon, ça va me voir par le fer. L'intérieur de ce tiroir ce matin. Voilà, allez, les deux petits bouts, et on aura fini pour ce tiroir. Enfin, il n'y aura pas la façade encore, mais on aura fini l'intérieur de ce tiroir. Mais c'est quand même long, hein. Allez, je vais essayer de faire sur le même tissu, je ne veux pas recouper un morceau. C'est un petit bout, c'est bien. Mettre la colle,
ça va pas coller. Donc voilà, vous avez vu pour la construction de ce tiroir sur pour la commode. Alors désolé, ça s'est coupé net, hein, la vidéo s'est coupée net, mais bon, ça faisait une heure et demie que j'étais en train de filmer et mon téléphone ne filme pas plus d'une heure et demie. Donc rideau, ça s'est arrêté. Donc désolé, mais il ne restait pas grand chose à voir. Donc là, j'avais mis sous presse. Alors, je vais enlever pour vous montrer. Normalement, ça doit être bon. Alors, on va enlever toutes les pinces. J'en ai mis beaucoup, hein. Mais il faut que ça tienne. Hop. Donc voilà le tiroir, l'intérieur, l'extérieur, hein, ça vous l'aviez déjà vu. Donc il restait plus que voilà un côté à mettre. Hein. Bon, il me restera tous les dessous de tiroir à faire après, mais ça, ça va aller très vite. Donc voilà pour ce tiroir. Voyez, donc là, ça bouge pas. Hein. Là, bon, elle est encore un peu humide, mais c'est normal. Là, ça va sécher toute la nuit. Demain, il n'y paraîtra plus. Ce sera nickel. Et je pourrai faire la façade de ce tiroir. Donc, voilà. Là, maintenant, je vais le mettre, le laisser bien sécher. Et, désolée, je baille. C'est ce que je vous disais, hein, vous voyez. J'arrive plus à rester en ce moment plusieurs heures sur mon travail parce que je suis claquée, mais alors vraiment crevée. Là, quand la vidéo s'est éteinte, bon, après, je suis descendue. Et j'ai fait 2-3 choses chez moi en bas. Et là, je viens de remonter. Il est quelle heure? Il est à peu près 16 heures. Et ben, c'est l'heure où je tombe. Voilà, à 16 heures, entre 16 heures et 17 heures. Mais alors, j'ai le coup de massue tous les jours. Et je ne sais plus rester à travailler pendant plusieurs heures. Pourquoi, je ne sais pas. Avant, ça ne me faisait rien. Mais là, j'ai un petit souci de décollage. Ça y est, on va le recoller. Maintenant, il n'y a plus moyen. J'ai pris un coup de vieux. Mais bon, ça va passer. Ça va se remettre. Alors. Oh, voilà, c'est rentré. Je voyais que ça ne voulait pas rentrer. Donc voilà. Donc là, elle va sécher toute la nuit. Enfin, il va sécher toute la nuit parce qu'un tiroir, c'est masculin. Je ne vais pas le mettre dedans pour qu'il sèche. Ça n'ira pas. Là, je vais recoller. J'ai vu qu'il y a un petit bout de tissu qui s'est décollé. Mais ça, c'est rien. C'est pas grave. Je vais remettre un petit point de colle. Et ça va sécher aussi toute la nuit. Et puis demain, donc, on attaquera les façades des deux derniers tiroirs.
Il me restera les intérieurs de certains tiroirs, donc celui-là, celui-ci, voilà, avec les petits casiers, voilà, celui-ci, celui d'en haut, donc là il me reste que les côtés à faire, il me reste que les côtés, et celui-ci, il me reste que deux côtés, donc là, ce côté-là et ce côté-là à faire en bleu. Donc c'est après, il sera terminé entièrement. Voilà. Et puis on aura fini les tiroirs. Il me restera plus qu'à faire donc le dessus, l'intérieur, là où il y a le couvercle. Donc là, c'est pareil, ça va aller très vite. Donc là, maintenant, ça y est, on est sur la dernière ligne droite de la commode. Il devrait rester quoi? Je pense, on va dire deux vidéos. Voilà, je pense qu'on va le faire en deux vidéos. En une, ça va faire juste, je pense, mais il devrait rester deux vidéos à faire sur cette commode. Voilà. Allez, maintenant je vais vous laisser, je vais, là j'arrête pour aujourd'hui, de toute façon, il faut que je laisse sécher mes pièces, je vais aller me reposer un peu dans mon fauteuil, je vais essayer de broder un petit peu, c'est pareil, ma broderie avance pas mal, je vais essayer de la faire, voilà, voilà, je vais essayer de faire un peu ma broderie. Et il faut que j'attaque donc aussi mes autres créations. J'ai voulu les attaquer hier. Alors, j'ai attaqué hier. J'ai attaqué hier mes créations que je devais faire. Et puis j'ai fait une bêtise. Voilà, parce que j'étais fatiguée. Et j'aurais pas dû le faire pendant que j'étais fatiguée. Et du coup, j'ai dû tout démonter parce que je me suis trompée de carton. J'ai pris le car, il fallait que je prenne un carton 2 mm et j'ai pris du 1,5. Et j'étais, c'est pareil, j'étais fatiguée et j'ai pas fait attention. J'ai pas vu la différence d'épaisseur. Bon, en plus, ça se voit presque pas. Hein. Du 1,5 à du 2, faut vraiment le. Même sans être fatigué, des fois on peut se tromper. Et le pire, c'est que j'avais déjà collé donc toute ma boîte. Et là, c'était une grande boîte. J'avais déjà tout collé. Et c'est au moment où j'allais couper le tissu, j'ai dit, oups, je crois que je me suis trompée. Et heureusement, je n'avais pas encore collé le tissu. Et si ouais, je me suis trompée. Donc j'ai dû tout démonter, enfin tout décoller, enfin j'ai coupé au cutter. Et puis donc voilà, donc il faut que je le refasse. Mais bon, c'est pas grave. C'est les choses qui arrivent. La prochaine fois quand je serai fatiguée, ben je ne le ferai pas. Voilà. Donc là, pour aujourd'hui, j'arrête de bricoler. De toute façon, c'est pas la peine que je force au risque de faire des bêtises. Et puis là, sur la commode, j'ai vraiment pas envie de faire des bêtises. Hein. Même sur une autre créa, de toute façon. Je ne veux pas faire aucune bêtise. Mais là, surtout sur la commode. Donc, surtout que j'arrive à la fin. Et donc là maintenant pour aujourd'hui c'est bon, j'arrête tout. De toute façon même tout à l'heure quand j'ai fait le diamond painting, je m'étais trompée sur une couleur, c'est pareil, heureusement je l'ai vu tout de suite. Mais non, bon. On va se mettre dans son fauteuil, hop, à se mettre dans son fauteuil, le souper est prêt, donc ça va. Et puis on va souffler. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Donc, vous retrouverez encore deux vidéos donc pour la commode.
et puis on l'aura terminé. Voilà. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.